Sont donc des élixirs sonores. Alors on me demande souvent c'est quoi ces élixons Eh bien je réponds la plupart du temps de la manière suivante les élixirs sonores sont au son ce que les élixirs floraux sont aux fleurs. Donc ce sont des fréquences qui sont intégrées à un support liquide, dynamisé, mémorisé. Donc les fréquences sont mémorisées à l'intérieur d'un flacon. Et on peut utiliser naturellement, ces, ce sont des gouttes que l'on peut prendre dans un verre d'eau, que l'on peut diluer à partir d'un élixon. Les élixons peuvent être dilués pour fabriquer des élixirs personnalisés, un petit peu de la même manière que l'on procède pour les élixirs floraux. Donc j'expliquerai cela ultérieurement. Mais donc ces élixons sont là, ils sont complémentaires donc, à l'utilisation des diapasons et des arômes. Un mot sur les élixons. Comme je vous l'ai déjà expliqué lors de la présentation, lorsqu'on a abordé donc les différents outils utilisés pour nos protocoles, nous utilisons donc aussi des élixons. Et je vous avais expliqué que les élixirs sonores étaient au son ce que les élixirs floraux sont aux fleurs. Et donc on utilise ces élixons en complément des outils utilisés en sonologie. Et ces élixirs sonores plongent en fait leurs racines dans ce que l'on appelle le thermalisme, c'est-à-dire la médecine des eaux, que l'on retrouve dans les stations dites thermales, telles que pratiquées par les Celtes et les Romains il y a bien longtemps, et dont la plupart des centres de cure ont été conservés. Également, on trouve la racine de cette démarche au niveau de nos élixirs sonores, la médecine thermale développée à la Renaissance par le docteur Paracels. Ajoutons que cette matière liée à l'utilisation thérapeutique de l'eau est développée dans le domaine de la physique et de la biologie, les plus avancés, et une thématique qu'on appelle l'information de l'eau. Ou l'eau structurée. Et d'ailleurs, il y aura un sujet spécifique traité dans un cours consacré à ce sujet dans un module ultérieur. Et donc, les élixirs sonores s'inspirent directement dans leur principe, comme je l'ai dit, des élixirs harmonisants appelés élixirs floraux inaugurés en 1930 par le docteur Edouard Bach. Considéré comme le père spirituel des élixirs dits fleuraux, le docteur Edward Bach était homéopathe, bactériologiste et médecin, établi à Londres avant d'aller à Sotwell au sud d'Oxford. Et d'ailleurs, il a abandonné sa pratique vers 1930 pour se consacrer exclusivement à cette nouvelle médecine naturelle que l'on appelle aujourd'hui la médecine des, des élixirs floraux. Et cet homme était très proche de la nature. Il a ressenti comment les vibrations subtiles de certaines essences florales ou végétales avaient la capacité d'entrer en résonance avec divers états émotionnels. Et après avoir observé comment la rosée matinale pouvait enregistrer, grâce à la lumière solaire, les fréquences harmoniques des fleurs, sur lesquelles donc elles étaient... Disposées, sur lesquelles elles étaient déposées, il a mis au point un procédé permettant de récolter cette même rosée et d'en conserver la vibration dans l'alcool. Et donc l'élixir sonore s'inspire directement de l'élixir floral et du procédé d'obtention de ces remèdes, à la différence que la fréquence des diapasons remplace la vibration des fleurs. Alors nous avons encodé les fréquences des diapasons dans ces élixons, et donc ces, ces fréquences dont on a parlé dans ce dans protocole, dans cette partie sur les, les complexes énergétiques. Et vous avez donc non seulement les complexes énergétiques, mais les euh, diapasons complémentaires avec Pluton, Mars, Saturne, Neptune et Uranus. Ainsi que Hopi et Eros. Et nous avons ajouté également l'élixon harmonier Rescue, qui est en fait euh, un composé de six élixirs combinés ensemble, à savoir le Soleil 126.22 hertz, Opie 164.80 Hz, Uranus 207.36, Ohm, 136.10, son du jour 194.18 et enfin Jupiter 183.58 hertz. Et donc avec euh, le rescue, l'harmonie rescue, donc on a une gamme euh, complète qui comprend aussi bien les huit complexes énergétiques que les planètes complémentaires avec Opi, Eros et, comme je viens de le dire, Harmonisation Rescue.